On est avec Cédric Erceron qui présente Bayakeno qu'on a vu sur les pommes du Croisé de la Roche. Elle s'est contentée d'une 7e place tout en trottant une 12-4. Comment avez-vous jugé sa tentative, Cédric? Elle est restée tout aussi bien, à mon avis. Hein, le jour, elle courait comme une jument un petit peu barrée. Maintenant, à 25 mètres, ça paraissait c'était assez compliqué, je dirais. Malgré tout, elle fait une course correcte. Bon, dans la foulée, elle retrouve un bel engagement, fermé sur les pommes d'Anguin, et vous tentez le coup d'efférer des 4 pieds pour la première fois à 7 ans. Bon, ouais, maintenant j'ai plus aucune marge, j'ai plus la jument de Paris en forme. Anguin, c'est pas très loin de la maison pour faire un essai. Si c'est pas concluant, c'est quand pas très grave, quoi. On est pas très loin. Ça lui fait vraiment un gros changement de poids par rapport à d'ordinaire? Qu'est-ce qui vous avait incité à ne pas la déférer? Rien du tout, il y a juste une petite épaisseur de fer qui va changer, mais en termes de poids c'est pareil, parce qu'elle courait avec des alus vraiment, vraiment fatiguées à chaque fois, donc des alus qui pèsent rien. Dès lors, on peut espérer, enfin les parieurs peuvent espérer que ça la transforme un petit peu ou pas tant que ça? Bon, si j'avais dans l'espoir que ça la transforme, je l'aurais fait depuis longtemps, mais vu qu'elle avait des mauvais pieds et puis que j'avais pas l'impression que ça allait changer grand chose, je l'avais jamais fait. Mais bon, là maintenant, à l'âge qu'elle a, je risque plus rien. On essaie, c'est un essai, quoi, on verra bien. Et celui pour nous en gain, les 2100, est-ce que c'est un parcours qui vous convient? Bon, le profil de piste en gain lui convient, mais en termes de distance, je l'aime mieux sur plus long. Mais elle a sûrement changé un peu quand même, parce que l'autre jour elle a couru à l'auto petite distance à Caen, elle a couru pas mal pour une rentrée d'ailleurs, elle a pas mal démarré. Donc le jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit un gros handicap de courir 2100 en tout.